On dit, non, il y a un certain artiste édenté qui a commencé à critiquer quoi qu'il est le plus fort des artistes de Côte d'Ivoire. Il n'a même pas envie de dire son nom. Lui, il a déjà fini. Lui, il a déjà fini. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, là. S'il a fait concert en Côte d'Ivoire ici, et puis ça a marché, c'est que ceux qui sont là-bas, c'est des moutons. C'est que c'est des vrais moutons. Mais comme vous savez, parmi les hommes, il y a des sous-hommes et après viennent des moutons. Ici, même en Côte d'Ivoire, il y en a. On va voir. Il va lancer son concert et puis il y a des gens qui vont pas s'asseoir là-bas. Avec toute cette foutaise, toute cette hypocrisie, quand vous êtes en pleine figure à chaque fois, vous persistez là-dedans. Vous me demandez de venir parler de lui. Je ne peux pas parler de lui. Je ne peux pas parler de lui. Mais c'est Dieu qui a tenté de faire mon parlable. Donc là-bas, je ne peux plus parler. Je vous laisse maintenant la tâche. Il est grand temps maintenant que l'Ivoirien se fasse respecter. Évitons ce genre de situation. Vous n'allez, on ne va pas toujours aider les étrangers et après ils vont venir se foutre de notre gueule. Venez se jouer les jeunes, il y a des hypocrites ici. Non, on aime la Côte d'Ivoire. Là, t'es un Côte d'Ivoire. Là, t'es un maudit. On sait ce que tu racontes dans tous les gens ici. Oui. Oui. Toi, tu dis qu'il y a Djabaté ou même quoi. On sait ce que tu racontes dans tous les Ivoiriens ici. Toi, tu as fini un maudit Ivoirien matin, midi et soir. C'est nos autorités là qui te donnent non. C'est nos autorités qui donnent non. Toi, un gars qui sent goût sous non, quoi, tranquillement, tu t'entends, tu mets les autorités. C'est eux qui donnent non. Ton faux médicament, tu fais. Et puis les gens sont là tranquillement. Toi là, ils te jugent. Si ce n'est pas parce que dans notre gouvernement, il y a beaucoup de djoula là. Toi là, si tu es un gouvernement bété, toi, tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un dans nous les bêtés, tu ne peux pas t'approcher de nous. Mais comme c'est entre vous là-bas, donc c'est pour ça que les gens te laissent pas. Et puis tu t'approches depuis, tu t'en gâté les noms. Champion, djoula d'ici là, ce n'est pas malien là-bas. Hein. Non. Hein. Djoula d'ici là, c'est pour Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre djoula de là-bas. C'est eux qui n'ont pas compris ça. Et puis maintenant, ils commencent à comprendre. Ah, ok. Aucun djoula n'a village au Mali. Il faut bien écouter ça. Et tu pensais, non, on est trop frère, on n'est pas frère champion. Oh, les gens aiment ta musique et toi, en retour, tu te fous d'eux. Il n'y a pas de problème. Mais frère Djoula, il laisse ça dans vos mains. Réveillez-vous. Pour vous dire que, quel que soit ton bambara, tu as capté où, Malien ne sera jamais prêt pour toi. Voilà. Et c'est lui qui est en train de vous montrer ça. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à connaître sa place. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Voilà. Djoula, ici, là, c'est les Ivoiriens. Vous, les Maliens là-bas, vous êtes Maliens. Là. Donc, là, tu dis non, tu es le plus fort des Ivoiriens de Dati de Côte d'Ivoire. On a compris. Le plus fort. Le plus beau, le plus bréchaté, merci, on a compris. Nous, là, non, Côte d'Ivoire, entre nous ici, là, on s'est débrouillé. Mais où tu as venu faire concert, là? On t'a montré un peu si, ton vieux père, là, comment ça s'appelle, mais Sali Keita, on vous a montré un peu. Hein? On vous attend. Malien, non? On vous attend. Hein? Si tu as vu l'homme dans ton concert, c'est que c'est un mouton. Voilà, c'est que c'est un mouton, tu as vu. Il te le juge. Il est fini avec toi. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on est ensemble. Et puis, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Moi, je n'ai rien contre personne, mais j'aime qu'on respecte la Côte d'Ivoire. Et j'aime qu'on respecte cette Côte d'Ivoire. Alors, toi, tu es tellement petit, même dans ces histoires-là, même du Mali, même là. Tu es trop petit dedans. Ouais, un peu. Moi, j'aime les Maliens. Mais il y a des Maliens qui sont dotés d'une sale mentalité. Et c'est, tu en fais partie de ces Maliens qui sont dotés d'une très sale mentalité. Il y a le bon Malien et il y a le mauvais Malien. Il y a le Malien instruit. C'est ceux qui sont instruits là. C'est eux on peut causer. Mais les gars qui sont dépouillés, qui sont à l'état ancien, ceux-là, tu ne peux jamais les raisonner parce qu'ils ne vont jamais aimer Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont instruits, qui sont allés à l'école, qui ont voyagé un peu de partout, ces Maliens là, c'est avec eux nous on peut causer. Mais les Maliens à l'état brut, bête comme les Sidiki Diabaté là. C'est eux là où vous nous les confiants. Voilà ça, on vous a parlé, il vous passe ça depuis, voilà ça. Il vous a raté, Ça a venu encore. Regarde celui à moi-même, il est déjà boué, mais il ne parle plus de lui-même. Mais il parle de lui juste pour faire plaisir aux fanatiques qui voulaient réellement qu'il parle un peu de cette affaire-là. Mais c'était prévisible en fait. Quand quelqu'un est hypocrite là, voilà, c'est prévisible, voilà. Je vois les certains blogueurs qui viennent raconter, font des vidéos pour dire non. Oui, il a fait Bercy. Non, il a fait quoi. Alors c'est ici le même bâtard là, il vient, il vous dit non que vous voyez tranquillement, il vous encule, il vous baise, il n'a rien à foutre de votre gueule, qu'il est le plus fort. Toi tu dis quoi maintenant, influenceur qui bavardait avec bébé là, tu dis quoi? C'est nous on a créé, ça, donc on n'a qu'à accepter. Donc voilà, réveillez-vous très chers Ivoiriens, on est ensemble, c'est qu'est-ce qu'on monte en décembre, Malien sera jamais au-dessus d'Ivoiriens. On est fort que dans tout, dans la musique, dans le pays, dans tout. Voilà, je n'ai pas pour me mettre les Maliens parce que moi-même, ma sécurité même, à Paris même là, c'est que des Maliens. Oui, c'est des hommes forts. C'est des gars qui aiment travailler. C'est des gars qui sont gentils, tranquillement. Je parle de certains Maliens. Voilà. Quand ils disent non, c'est un Malien méchant, c'est certains Maliens qui ne sont pas bien. Sinon, ceux qui sont bien, on les connaît. Et puis, on s'affiche.